Salut à tous, bienvenue sur Sign Adventures. Aujourd'hui, unboxing la Super Vegeto 2 Dimension, la manga Dimension, 2 Dimension, bref, voilà. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait et franchement, c'est franchement pas mal. C'est édité donc par Ben Presto, hein, donc c'est la The Vegeto. Elle vient de sortir, ça vient d'arriver, ça c'est sorti il y a quoi, il y a 3 semaines, à tout casser au moment où vous regardez cette vidéo, 2-3 semaines, voilà. Donc c'est notre ami Greg, Grégory, qu'on salue bien, qui nous a vendu cette figurine. Vous pouvez retrouver toutes ces infos pour le contacter, donc super vendeur, hyper fiable, on travaille avec lui, on est partenaire. Toutes les informations sur lui dans la description de la vidéo ou sur notre groupe Facebook. Sign Adventures, voilà. Sans trop attendre, on va l'ouvrir, hein, parce que le but, c'est pas de la regarder pendant 25 minutes. Donc voilà, il y a qu'un scotch dessus. Derrière, on ouvre. Alors, celle-là, ça faisait un petit moment que je l'attendais. Hein. Et comment dire, je crois qu'elle envoie du steak. Alors, où est-ce qu'il y a des scotch? Il y a des scotch ici, le long, tac. J'ouvre qu'un côté, comme ça, ça me permet de... Juste comme ça. Hop, on sort la bête. Alors, le petit socle derrière, toujours autant dégueulasse. Alors ça, franchement, c'est le point noir. Hein, des socles, franchement, juste ultra moche, blanc. Qui fassent un effet de rocher ou quelque chose, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Le jour où ils font des efforts, c'est vraiment le point noir de ces figurines. Alors, ils lui ont mis un petit sac sur la tête, c'est très joli. Alors, la barre est très très haute. Hein. Après, la Vegeta, la Super Master Stars Piece de Vegeta 2 Dimension, qui était juste hallucinante. Alors, je me permets d'y fermer ça. Hop, on met là-dedans. Et on vous embête plus avec le carton. Voilà, tac. Le carton qui est très joli, hein, dedans, avec une aura. C'est toutes les mêmes. Toutes les boîtes sont les mêmes, hein, la Gohan et tout. Donc, voilà. Et je vais la regarder de tout près. Et comment vous dire Alors, une petite potala qui part en couille. On va essayer de la... Voilà. Une petite potala qui était collée sur le côté. Alors, comment vous dire Elle est très chouette, très jolie. Par contre, on est à des années-lumière de la Vegeta, hein. Ouais, en termes, voilà. C'est très sympa, mais c'est vraiment loin de la Super Master Stars de Vegeta, en termes d'effet 2D. Donc, cette espèce de truc dégueulasse, là, hein, j'enfile ça juste pour montrer, voilà, bref. Vous pouvez voir comme c'est hyper artistique. Vous la verrez à la fin, comme d'habitude, vidéo HD, photo HD, sur la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, déjà, c'est beau. Alors, il y a beaucoup de nuances de bleu. Hein. Alors, les bottes, tout dans le gris. Donc, gris foncé, gris moyen. Un gris foncé, un gris moyen et un blanc. Hein. Presque blanc. C'est pas blanc, c'est gris très, très, très clair. Donc, le dessus, hein, un petit peu de. Donc, sur les chaussures de Vegeta, un petit peu de jaune, jaune clair, doré. Le pantalon, beaucoup de nuances. Par contre, alors oui, c'est bien travaillé. Hein, la ceinture et tout, il y a énormément de nuances différentes. Les effets d'ombre sur les muscles. Donc, vraiment pour accentuer la musculature de Goku. Dans les cheveux, il y a du blanc, du brun et le jaune. Donc les deux mèches. Les potalas qui ont aussi un petit effet 2D, hein, donc jaune et blanc. Après, sur le visage, il y a des espèces de taches, on dirait que ça lui fait comme un masque. Ouais. Alors, ouais, ça va, je suis pas... Elle est jolie, mais c'est pas, voilà, c'est pas la Master Star Piece of my collection. Ça reste joli, ça reste une jolie figurine, honnêtement, elle va pas faire tache. On est à des années-lumière de la très très moche, la Vegeta par contre, donc la Vegeta 2 Dimension, donc la Master Stars Piece, hein, pas la Super Master, donc la Master Star dans la donc Vegeta de l'arc-bout où il est avec son Marcel, qui est franchement dégueulasse. C'est la plus moche de toutes, bon, après c'est mon goût bien sûr. Mais non, elle est vraiment chouette, honnêtement, voilà, c'est ça reste. Et en fait ce gros tas de merde, je sais pas si ça fait que... voilà. Ouais, donc comme d'habitude, hein, les figurines, il y en a une sur deux qui tient et celle-là ne tient pas. Donc voilà, on va devoir mettre de la pâte à fixe pour changer. Ouais, donc elle part sur l'avant, donc voilà, c'est des super figurines. Donc je sais pas si c'est ma table. Ouais, ça doit être ma table qui est pas très droite. Donc voilà, je vous laisse admirer donc la bébête en vidéo sur la fin. Donc la vidéo HD, les photos. Merci à Grégory pour cette vente. Vous pourrez retrouver toutes ces ventes donc, sur sa page Facebook. N'hésitez pas à le contacter. Donc c'était la The Vegeto, la Master Stars Piece Manga Dimension, comme on dit exactement. Et sur ce, les amis, ce fut un plaisir. Ciao, ciao!